Et bonjour les amis et bienvenue sur Blade Runner. Donc on est parti, on s'était fait capturer la dernière fois et tout, on avait réussi à s'évader. Et bien on va continuer donc de ce pas, on est parti. Donc il me semble qu'il faut aller à la salle d'arcade. Votre numéro de code s'il vous plaît. Pas besoin de code petit, je veux sur toi. Donc, nous allons prendre cette poubelle. Vas-y, accélère mon gars. Ouais, sprint, vas-y. Autant qu'il fasse le code pour la porte. Salle d'arcade. Ça va être où ça? C'est quoi? Secteur des loisirs. History truc. Secteur génétique. Chinatown. Secteur animalier. Je pense que ça doit être le secteur des loisirs. Allez, on est parti. On va bien voir, de toute façon. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On s'est quitté parfois sur Blade Runner. Qu'un petit moment maintenant encore. Salle d'arcade. Ça, c'est un bar. Ça, c'est un truc de cul. Je vais par là-bas. Par ça aussi. Il y a encore lui là. On va lui parler. Hé hey, t'es le type de chez O'Willy. McCoy, c'est ça? On n'arrête pas de se rentrer dedans, dis donc. Tu veux un autographe? Je sais que t'as jamais entendu parler de moi, mais... l'autographe de Gordo Freeze vaudra un paquet de fric un de ces jours. Ce sera dur, mais je m'en passerai. Je voudrais te poser quelques questions. Hé, hey, t'as rien de mieux à faire que de venir emmerder les honnêtes gens sur leur lieu de travail? Mangue-toi, d'accord? J'apprécie beaucoup ta patience. Tu connais le cuisinier d'O'Willy? Ce gros plein de soupe? Jamais vu? T'étais là au moment où il a décarpi. Pure coïncidence? T'es un type vraiment méfiant, McCoy. Allez, détends-toi, regarde mon spectacle. Accorde-toi une petite pause dans l'amorosité de ton existence. Oh, une tronche. T'as plus envie de parler, tête de bille? Plus rien à faire. Alors, tout le monde s'amuse bien ce soir? Vous savez quel est le point commun entre une tornade et un mariage? Au début, ça fait tout trembler et ça avale tout sur son passage. Et quand c'est fini, vous n'avez plus de baraque. C'est pour ça que les cyclones ont toujours des noms de nana. Le docteur appelle un de ses patients et lui dit: j'ai une mauvaise nouvelle et une autre encore pire. La mauvaise, c'est que vous n'avez plus que 24 heures à vivre. Alors le patient dit: mais il peut pas y avoir pire comme nouvelle. Et le docteur répond: si, j'essaie de vous joindre depuis hier. Vous savez pourquoi les réplicants ont peur des banques? Parce que tout le monde y fait sans arrêt des retraits. Mais je vois que nous avons une célébrité parmi nous ce soir. Projecteur? Mais oui, je ne rêve pas. C'est bien lui, le meilleur Blade Runner de la police. J'ai nommé Ray McCoy. Je vous demande d'applaudir notre grand chasseur de réplicants. Cet homme nous protège, mesdames et messieurs. S'il croit simplement que vous êtes un réplicant, il est capable de vous clouer sur place. N'est-ce pas, cher ami? C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ah bon? Et si je me faisais passer pour un réplicant? C'est une excuse pour justifier ton manque de talent, Gordo? Zora, notre danseuse au serpent, était un réplicant. Et demain, sa photo sera dans tous les journaux. Dommage, elle pourra jamais le lire. Comment pouvez-vous être sûr que quelqu'un est un réplicant? Nous faisons un test. Un test? Mais aucun réplicant ne se laisserait faire. Si j'essaie d'interroger quelqu'un qui part en courant, il y a effectivement de fortes chances que ce soit un réplicant. Ou qu'il ne supporte pas l'odeur de ton haleine. Moi, je peux pas y aller. Fais ce que t'as à faire, McCoy. Si tu dois tirer, vas-y. Je veux pas tirer. Allez, McCoy. Tu me rendras enfin célèbre. Arrête ce numéro de cirque. T'es pas un réplicant. T'es sûr? Je pourrais être un martyr pour la cause, mon joli.
Tous ceux que j'ai vus voulaient vivre, pas mourir. T'y connais quelque chose, toi, hein? J'ai une certaine expérience. T'es peut-être pas un réplicant, mais t'es un de leurs enfoirés de sympathisants. Allez, on va faire un petit tour en ville. Ah oui? Et puis quoi? Tu vas me faire parler devant ta machine de Voidkampf, là? C'est mon quart d'heure de gloire, McCoy. C'est moins classe que de se faire descendre dans la rue. Mais bon. Alors, ça va? Le spectacle est terminé, vieux. Et il y aura pas de rappel. Alors, ça va? Alors, ça va? Le spectacle est terminé, vieux. Et il y aura pas de rappel. Alors, ça va? Non. Et toi, là-bas, derrière? Alors, Iso, on est bien installé dans sa nouvelle maison? J'ai connu pire, Michael, vous savez. J'imagine. Mais c'est le début. Vous n'avez encore rien vu. Alors, ça va? Je vous en prie. Laissez-moi, j'ai une migraine terrible. Oh, il y a toujours une migraine, lui. Oh, non, il a une migraine, tu vois. Rez-de-chaussée, ordinateur central et en toit. Ouais, sur le toit, on n'a pas été à la salle d'arcade. Si, il y a une salle d'arcade, je m'en rappelle même plus, en fait. C'est quoi, ça? On va y aller, là. Ah ben, elle est là, la salle d'arcade. C'était le Trickster. Et il a dit, Pat n'a pas un manteau d'hermine. C'est du bon tissu. Alors, vous êtes encore en train de vous chamailler? C'est ce qui fait durer un mariage, Ray. Qu'est-ce que ce sera? La totale. Ça vient. Tu t'y connais en politique, Ray. Les citations célèbres, tout ça. J'évite en général. Et le discours des dames? Jamais entendu parler. Le discours des dames de Hoover. Le discours des dames de Nixon. Tu oublies beaucoup de choses à ton âge. Je suis plus jeune que toi, ma belle. Vous avez déjà vu cette fille dans le coin? Peut-être à la salle d'arcade. Ah oui, je l'ai vu sortir de la salle d'arcade hier. Non, c'était avant-hier. Vous l'avez peut-être vu les deux jours. Je suis absolument certaine que c'était hier. Et tu as absolument tort. C'était avant-hier. Aussi vrai que Dieu a créé les petites pommes vertes. Tu deviens sénile, chérie. Ah, bon. On laisse tomber. Vous savez où je pourrais acheter du fromage comme celui-là? Cache ça. Pas ici. T'es fou. Mais il est de la police, chérie. En plus, les gosses d'aujourd'hui ont plus vite fait de te planter un couteau dans le dos que de te demander ton fric. Si tu te trimbales dans le quartier avec ça, tu vas te faire repérer. Qui vend ça? Écoute, Ray, on ne veut pas d'ennui. J'en ferai à personne. J'ai simplement besoin d'informations. Il y a bien cette femme noire qui tient la Kingston Kitchen? Elle nous tanne toujours les oreilles avec son ingrédient secret. Son ragoût spécial, là. Il a toujours un goût un peu fort. Et ça coûte la peau des fesses, en plus. J'ai trouvé ça. Oui, ça vient bien de chez nous. Soyez sages, tous les deux. Ok, ça c'est fait. Allons là-dedans. C'est une super affaire à ce prix-là. 35 000 seulement. Oui. Rouge, orange, bleu, verdâtre, de toutes les couleurs. Laissez-moi juste 24 heures pour nettoyer les graffitis. Non, je plaisante. Demandez Larry Patfol. A plus. Vous admirez cette Kadibishi, hein? Il y a de quoi. C'est l'élégance classique dans un bolide de sport. Elle monte à 125 en un rien de temps. Waouh. Encore faut-il trouver une route où ce soit possible. C'est toujours le même problème. Larry Hirsch dit Patfol, enchanté. Ray McCoy. Vous pouvez m'appeler Patfol ou Larry, si vous préférez. Vous pouvez même m'appeler Larry Patfol. Mais c'est pas la peine de m'appeler, si les bagnoles c'est pas votre truc. D'accord. Cette Bichy est une vraie merveille. La mécanique Pacific Rim est irréprochable, comme toujours.
Mais ils ont aussi gardé la touche classique des anciennes de la General Motors. C'est du travail soigné, apparemment. C'est autre chose que ces tacos en fibroplast qu'on voit partout. Ça, c'est de la bagnole. Un régal pour les yeux. Vous voyez ça, là? Vous voyez? C'est du véritable chrome, du vrai. Ils avaient mis à l'abri une centaine de feuilles de chrome de Tijuana avant la guerre. C'est complètement légal et tout. C'est magnifique, non? Je crois que j'en ai jamais vu. Et vous n'en reverrez sûrement jamais, sauf si vous partez avec cette merveille. Et honnêtement, non. Franchement, elle est faite pour vous, pour Ray McCovey. McCoy. Oh, une lettre de plus ou de moins. Il faut que je réfléchisse. Réfléchissez pas trop longtemps, Ray. Sinon, elle sera plus là quand vous reviendrez. D'accord. Et cette fille, vous la reconnaissez? Vous rigolez? Elle a même pas l'âge du permis. Vous ne l'avez jamais vue? Sa tête me dit quelque chose. Cherchez bien. Vous devriez essayer la salle d'arcade à côté. Elle ressemble au genre de filles qui sont tout le temps fourrées là-bas. Je vais y aller. J'espère que vous avez les papiers de tous ces véhicules. Oh, Ray, on n'est pas des gosses. Vous parlez à Larry, pas de folle. Je prends ça comme un oui, alors. Prenez-le comme vous voulez, mais reposez-le après. J'espère que vous avez les papiers de tous ces véhicules. Oui, bon, c'est bon, d'accord. Oh, Ray, on n'est pas des gosses. Vous parlez à Larry, pas de folle. Je prends ça comme un oui, alors. Prenez-le... Voilà, comme là. On peut aller... Eh, hey, enlevez vos sales pattes de là, Ray. Ok, bon, allez, on va à la salle d'arcade. Parce que c'est pas tout ça, mais... Ça. Ici, on est là-haut. Sans du miroir. Oh putain. On verra ça après. Je veux descendre. Faire couiller, go. Ah non. Il est balèze, ce McCoy. Donc aussi, le mercredi, je vais vous présenter, excusez-moi, le mercredi MMO. Tous les mercredis, peut-être une fois sur deux, souvent, donc vous avez les vidéos dédiées et vidéos de moi. Et peut-être que je vous ferai soit un Blade Runner, soit un MMO. Et ça sera chaque fois que vous aurez une vidéo MMO, ça sera un MMO différent. Je vais voir mettre ça en place rapidement et voir après ce que vous en pensez. Parce que c'est un projet que j'aime bien, j'adore le MMO, donc je pense que ça peut être assez sympa. La mouche, s'il te plaît, merci. Ouais. On en est où là? On va retourner dans la salle d'arcade. On va aller par là. Et puis on va aller par là. Bah. Qu'est-ce que c'est que je viens? Il y voir quelqu'un là-dedans, mais aussi. Il n'y a rien. Personne, hein. Là-bas. Bah non, on peut même pas repartir quoi. Ah putain, quelle merde. Vous inquiétez pas, on va trouver.
Je sais pas comment, mais on va trouver. Il me semble que normalement on doit y trouver Lucie hein, dans la salle d'arcade. Hein. C'est quasi certain. Hein. Pourquoi ils ont mis ça? C'est stupide. Allez, dépêche-toi encore plus vite là, on va pas attendre 25 ans mon gars. On va passer l'épisode dans le labyrinthe. Ah bah dis donc. Je comprends pas. Allez là. Impeccable. Donc. Vous êtes malade, Lucie. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Papa m'a dit de me méfier de vous. Je veux pas vous faire de mal. Vous avez toujours habité sur Terre? Oui. J'avais toujours imaginé la Terre autrement. Si belle, si unique. Les oiseaux, les fleurs, les arbres et la mer bleue. Comme sur la vidéo. Tout était si différent sur... là où je vivais. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué les animaux de Ransiter? Moi, je voulais pas. Mais papa était très en colère. Et Sadik a dit que Monsieur Ransiter le méritait pour m'avoir traité comme il l'a fait. C'est drôle. Je suis moins bien traitée que ces animaux. Et je devrais les détester. Et ben même pas. Et tous ces animaux étaient des vrais? Monsieur Ransiter en achetait aussi des fois... ailleurs. Des faux? Il me disait qu'il était protégé. Qu'il se l'est procuré auprès de quelqu'un... proche de la source. Il y avait qui d'autre ce soir-là? Papa. Et oncle Zuben. Là, normalement... je dois changer ma gueule. C'est déjà... Vous pouvez m'emmener voir votre père? Je crois qu'il aimerait pas beaucoup ça. Je sais même pas où il est en plus. Quelqu'un d'autre est à la recherche de votre famille. On sait. La femme qui fume. Il faut vous enfuir. Vous êtes un homme bon. Pas de conclusion hâtive. Vous êtes gentil. Mon père était comme ça aussi. Il me lisait des histoires. De belles histoires pour que je fasse de beaux rêves. Et il ne le fait plus? Il passe ses soirées avec Sadik maintenant. Lui et maman, ils arrêtent pas de se disputer pour savoir ce qu'on va faire. Ils s'inquiètent pour elle. Elle est pas très bien depuis quelque temps. Ça doit être dur pour vous. Y a pire, mais l'autre jour, je me disais que si on pouvait ressentir l'amour, le véritable amour, ça valait toutes les peines du monde. Je suis d'accord. Dans un endroit avec des arbres, un lac et des fleurs. J'ai vu des endroits comme ça dans des livres. Vous les verrez un jour, avec vos propres yeux. Mais vous n'êtes plus à notre poursuite. Allez, filez, vite. Merci. D'accord. Alors, maintenant, faut qu'on aille voir la... celle qui vend là-bas, cette terrier malier, hein, comme nous ont dit les petits vieux. Cette terrier maliette, voilà. Mia et Murray m'ont dit que vous mettiez du fromage dans votre ragoût. Du vrai fromage.
Qu'est-ce qu'ils en savent, ces vieux vautours? Je pourrais prendre un échantillon de votre ragoût pour le faire analyser au labo. Pourquoi vous faites ça à Mama Isabella? Je vous ai jamais rien fait, moi. Où est-ce que vous l'achetez? Ma sœur connaît quelqu'un. Et où je peux la trouver? Elle est repartie en Jamaïque, loin d'ici. Elle m'envoie du fromage une fois ou deux par mois. Vous savez, c'est drôle que vous me demandiez pour le fromage. La semaine dernière, un petit tout moche est arrivé en courant et m'a piqué plein de cartons à emporter. Les flics à côté, ils rigolaient en disant qu'il allait faire une sale tête quand il ouvrirait les cartons. Je vois pas le rapport avec le fromage. J'avais caché le fromage dedans, moi. Je voulais le mettre à l'abri avant de refaire mon ragoût. Je pouvais pas demander à la police de les ramener. S'ils avaient trouvé le fromage, ils m'auraient bouclé. Le type qui vous a volé, il ressemblait à quoi? Petit, tout petit, mal habillé, des couleurs trop vives et une drôle de cravate. C'est ce sale voleur que vous cherchez, hein? Je crois que vous vous fichez pas mal du fromage, en fait. C'est vrai. Mais je crois quand même que vous devriez changer d'ingrédient spécial. Vous avez raison. Ce fromage a causé que des ennuis à Mama Isabella. Eh oui. Merci pour tout. Ok. Donc c'est l'autre que j'ai envoyé en prison. C'est bon ça. Elle est où ma chiotte? C'est toi. Vous avez du nouveau sur les libellules? Ah si si, j'avais raison. Votre libellule partie d'une collection achetée par Night Club dans secteur 4. Vous connaissez le nom du propriétaire? Non, seigneur. Mais mon ami, il dit que l'homme veut pas vendre. Merci de votre aide. Où sont passés tous vos scorpions? Tout vendu. Prochain arrivage la semaine prochaine, si vous voulez. Hein. Quelqu'un vous a tout acheté? Si, femme très belle. Une femme très belle qui achète des centaines de scorpions. Ce que les gens font avec, je veux pas savoir. C'est pas mes affaires. Je vois. Ça marche les affaires? Bien, très bien. Bientôt les fêtes. Tout le monde peut voir un secte. Ouais. Enfin, moi en tout cas, j'aimerais pas en retrouver un dans mes petits souliers. Ça marche les affaires? Bien, bien. Ouais. La maison, voir s'il y en a 2-3 photos à faire, et ça sera la fin de cet épisode, les amis. La maison, appartement McCoy. Perfecto. Allez, cours, mon ami. Votre numéro de code, s'il vous plaît. McCoy 88F. McCoy 88F. 88, merci. China Bar. Alors... Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça que je t'ai demandé. Reviens en arrière. Ce type se balade vraiment beaucoup. Je confirme. Qu'est-ce qu'on peut en avoir d'autre? Tac. Ça, c'est quoi? Caméra.
Intéressant. J'en veux une épreuve tout de suite. Ok, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? À mon avis, je pense que c'est tout là-dessus. On va aller voir une autre. Navette. J'en veux une épreuve tout de suite. Oh oui, une épreuve. Ce type se balade vraiment beaucoup. J'en veux une épreuve tout de suite. Ça peut pas être moi. J'en veux une épreuve tout de suite. Voilà. Ouais, peut-être ça là. C'est vraiment bizarre. J'en veux une épreuve tout de suite. J'en veux une épreuve tout de suite. Ok, donc ça c'est fait. Mais il me manque une photo, je crois. Hawker Circle. Ça. Tac 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 tac. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de beau là-dedans? Non. Non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Y a rien sur cette photo là. Pas grand chose, hein. Si, là. Une étrange écaille. Ah, t'en veux pas une épreuve tout de suite? Ah, ça refait la même chose. Une étrange écaille. Ok, allez. Oh, ça c'est bon. Il ne restera plus qu'à aller pour le prochain épisode. Au bar. Donc sur ce les amis, portez-vous bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, critiquer si vous n'avez pas aimé. Et à bientôt. Et comme je vous l'ai déjà dit, portez-vous bien. Ciao les amis.